Bon, aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je fais pour changer les bearings de roulette sur pas mal toutes les motoneiges, là. Moi, c'est des bearings 6004 RS, là. C'est pas mal la norme, là. J'arrête ceux-là avec le cils bleu. C'est des KML. Ils sont faits pour... la température pour en hiver, là. Ils sont plus tough un peu, mais j'ai fait 5000 km cet hiver, puis mes 11 roulettes, il y en a une 4-5 encore bon, mais j'ai changé tout. Après avoir enlevé la clip là, avec les pinces comme ça, moi je... Je l'écartille un peu, puis je prends le petit tournevis, un petit tournevis pour l'accoter quand il est ouvert un petit peu. Puis je prends les longues noses, puis je tire un peu de côté, puis ça sort. Après ça, je nettoie tout ça bien comme il faut, là, pour que ça soit propre. Puis la rainure pour la clip. Puis ensuite, tu prends le bearing, ben, tu le sors avec un box. Je prends un box, puis ça sort tout seul. Pour le rentrer, tu mets le bearing là. Tu prends un petit 2x4, un 2x3, mettons. Tu l'accotes comme ça. Il est rentré. Ensuite... moi je m'accote sur le côté. Puis, tu le rends tout autour. J'ai mis un morceau de bois pour ne pas briser ma roulette. Puis ensuite, tu regardes tu peux voir ta rainure bien comme il faut. Ça veut dire qu'il est tout égal partout. Puis l'autre côté, ça te donne une idée, là. Puis après ça, ben, tu as juste à rentrer ta clip. C'est terminé. Voilà. Les 11 roulettes vont être avec des bearings neufs. Salut!